un homme légendaire et son bataillon touchent le sol de Dien Bien Phu en ce 16 mars 1954. Son nom résonne dans les vallées comme la foudre qui s'abat. Bijar est là. La veille, il regardait ses 26 hommes et s'adressait à eux. Le lieutenant Allaire se souviendra toujours de cette phrase. « Les enfants, je vois bien comment on part, mais je ne vois pas comment on rentre. » À Dien Bien Phu, la bataille a commencé depuis maintenant 3 jours. 3 jours de combat, d'une rage intense, d'une violence extrême. Les Français font preuve d'un courage exemplaire, voire exceptionnel, comme toujours. Dans la nuit du 15 mars 1954, le général Jab suspend toutes les attaques sur le camp retranché, voyant ses pertes impressionnantes. Et pourtant, la bataille ne fait que commencer. Le 16 mars 1954, 42 Dakota larguent sur la région d'Isabelle, le 6e BPC des renforts du 1er BEP et le 8e choc. Le 6e BPC atterrit au milieu des obus de mortiers. C'est Bijar, dont le nom, soudain, claque sur Dien Bien Phu. Partout dans le corps retranché, même sous les obus, on hurle « Bijar est arrivé !» Je suis même sûr que les Viettes eux-mêmes l'ont su. La garnison relève la tête. Le patron est là. L'ancien lieutenant Jacques Allaire raconte. C'est une fournaise, l'enfer. Ça canarde de partout. À peine au sol, on fait face à une offensive du Viet Minh. Les Viettes étaient nombreux. Avec mon bataillon, on commence la bataille sur Helian 2. Elle va durer un mois. Le bataillon Bijar a été largué vers 15h sur Isabelle. Bijar boite, il s'est claqué un muscle à Seno. Coiffé de sa casquette, il s'arme d'un énorme gourdin et part avec son petit état-major rejoindre le centre principal en zigzagant à travers les compagnies. Vers 17h, Bijar arrive au centre principal pour saluer le colonel De Castries. Botella, qui est présent, qui commande le 5e BPVN, se jette dans ses bras et spontanément se met sous ses ordres. Impassible sous les obus, Bijar est sombre. Ce qu'il a vu l'emplit de stupeur, sûrement. D'effroi, certainement. Dien Bien Phu restera à jamais marqué par son nom et par celui des bérets rouges. Pour plus de descriptions de cette journée, je vous invite à suivre et à lire les publications écrites sur Facebook et Instagram. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de la chronique pour l'honneur et les copains. C'était ma chronique pour l'honneur et les copains de Good Morning Army. Je vous souhaite une belle soirée sur cette terre de France. Et n'oubliez pas ma devise, notre honneur, notre histoire.